Ils arrivent avec un esprit très ouvert. Nous aussi, il faut qu'on ait l'esprit ouvert parce qu'ils peuvent nous apporter beaucoup de choses, notamment dans l'organisation, dans les études qu'ils peuvent faire à chaque navigation, les débriefings qu'ils font, le suivi des performances. Et la mesure des performances, c'est sûr qu'ils sont, ils sont vraiment impressionnants là-dessus. Et donc on peut recevoir beaucoup de chiffres et beaucoup d'analyses et il faut arriver à traiter tout ça. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire de cette façon aussi scientifique d'analyser chaque navigation. Là à bord, on a, je sais pas, 9 caméras pour les voiles. On a un système complet d'électronique en double pour voir s'il est plus performant que le nôtre. Enfin, c'est bourré d'électronique. Ils ont l'habitude de découvrir des bateaux parce que même en monocoque, ils passent sur beaucoup de bateaux différents. C'est sûr, c'est des bateaux très enthousiasmants. Alors, ils ont plutôt le sourire aux lèvres quand même quand ils naviguent, et ça c'est plaisant. Et ils veulent apprendre et ils apprennent bien. Hein. Y a pas... C'est sûr qu'on bouge différemment sur ce genre de bateau, mais il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Et je trouve qu'ils sont vite à l'aise sur ce genre de bateau. Niveau manœuvre, ben en 2 jours, ça va aussi bien que, enfin, presque aussi bien que d'habitude, quoi. Par contre, il faut, pour l'instant, il faut les manager en permanence, quoi. Donc on n'est que 3 à bord, Franck, Thierry et moi. Donc il faut qu'on pense en anglais, leur parler en anglais. En plus, ils posent des questions en pleine manœuvre. Donc y a des moments, c'est un peu le vrac, mais ça, dans l'ensemble, ça va super bien. Ouais, bonne progression. Bon, aujourd'hui, on a changé une grosse partie de l'équipage, donc, parce qu'il y a beaucoup de monde qui doit passer sur le bateau et découvrir le bateau. Donc, on n'a pas continué la progression d'hier, mais c'est sûr qu'on a eu beaucoup de chance entre hier et aujourd'hui sur les conditions de vent. Et même dans la journée, on progresse. C'est des gens qui sont quand même très puissants, très bien préparés physiquement et très concentrés sur ce qu'ils font, donc ils apprennent vite. Yeah, was fun. Very fun. Hang on. We have to watch it coming down. Yeah, it's difficult to learn that quickly. Et en fait, est-ce qu'on est surpris quand un maçon arrive à faire un beau mur en parpaing? Non. C'est leur métier, quoi. Ils font ça toute l'année. Ils font que ça toute l'année, quoi, en plus. Et ils n'ont même pas de préparation de bateau à faire, donc... C'est vrai qu'on change complètement de monde, quoi. Nous, on a le bateau à préparer, l'entraînement physique à faire, la navigation. Eux, ils ont que à se préparer physiquement et naviguer, quoi. Donc, non, c'est normal qu'ils fassent leur boulot, quoi.